Bonjour à tous, vous avez été extrêmement nombreux, c'est-à-dire environ 2 personnes. C'est pas fou 2 personnes quand même. Donc vous m'avez demandé suite à ma dernière vidéo de faire un tutoriel sur Sunset Lover de Petit Biscuit. Et bien écoutez, c'est parti. Donc on a une rythmique qu'on va faire en boucle, ça va être 3 coups et 2 coups, ça va être ça. 1, 2, 3, 1, 2. Et celle-là, elle va sortir 4 fois. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors on va commencer par aller en 7ème case de la première corde. On va jouer avec l'index et on va mettre l'annulaire sur la 8ème case de la 4ème corde en partant du haut. On va jouer en même temps, donc la première avec le pouce et la 4ème avec l'index. Ou avec le majeur, comme vous voulez. Donc on fait la rythmique que j'ai dit tout à l'heure. Là, toute la rythmique se fait sur cet accord-là. Ensuite, on décale tout de 2 cases, donc l'index se retrouve en 9ème case de la première corde et l'annulaire se retrouve en 10ème case de la 4ème corde. Et là on va jouer 2 fois. Et le 3ème coup, on met l'annulaire en 11ème case de la 4ème corde, donc on décale d'une case. Et on met cette fois-ci le majeur sur la même case mais sur la première corde. Donc en gros les 2 doigts sont à la 11ème case. On joue le 3ème coup et les 2 coups suivants. Donc ça fait ça. Donc depuis le début, ça fait ça. Ensuite, on va mettre l'index en 2ème case de la première corde et l'annulaire en 3ème case de la 4ème corde, donc une case de décalage. Donc on va faire toute la boucle rythmique sur cet accord. Ensuite, on décale l'annulaire d'une case, donc il se retrouve en 4ème case de la 4ème corde, et on met le majeur en 4ème case de la première corde, et on va jouer 2 coups. Et le 3ème coup, ce sera 2 cases plus loin. Donc on décale les 2 doigts 2 cases plus loin. Donc ils se retrouvent en 6ème case chacun. On joue le 3ème coup et les 2 derniers coups. Ça fait ça. Depuis le début, ça donne ça. Vitesse réelle, ça donne ça. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et que vous aura surtout bien servi. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez filmer ce que vous avez appris dans cette vidéo, vous mettez la vidéo sur votre chaîne et vous m'envoyez le lien par mail, le mail est dans la description. Et si j'aime bien votre vidéo, j'en parlerai au début de la vidéo d'après, comme ça vous fera un petit peu de pub. Voilà, on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao.